Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est les vacances plutôt. Ouais, ça sent le soleil. Il fait c'est bon, certain. Pour certains, chaud. C'est déjà les vacances. Ouais. Il fait bon, il fait chaud. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est agréable. Ouais. Ça fait du bien. Quel bonheur. On se nourrit de soleil. Mm-hmm. Ah, pur bonheur. Bon, petite vidéo pour vous dire. On a entendu une histoire qu'on a bien aimée. Oui. L'histoire du pilote. Disant pourquoi un pilote prend tant de temps à faire sa checklist avant de partir. Avec autant de conscience. Jusqu'à sa retraite, puis qu'à un moment donné, il en a pas marre, en se disant « c'est bon, mon avion, il vole ». Puis j'avais adoré la réponse, enfin, on avait adoré la réponse en disant « ben, il le fait parce qu'il est dans l'avion avec vous ». Voilà. Donc s'il arrive quelque chose, il y arrive quelque chose à lui aussi. Oui. Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Quand on se sent concerné et visé directement. Oui. Et vraiment, là, c'était juste un petit coucou pour vous dire… Bah, soyez le pilote de votre corps, de votre vie. De votre vie, de votre santé. De votre santé, voilà. C'est vous qui savez. Il n'y a pas mieux que vous qui savez comment vous vous sentez. Et puis, on a chacun un corps différent. Oui, un système immunitaire différent. Et c'est là que c'est bien d'avoir des contacts avec des thérapeutes et des professionnels de la santé individuels qui vous connaissent. Et puis, vous choisissez ensemble. Ce qui est le meilleur pour ce vous, qui est le meilleur pour votre santé. Et c'est vrai qu'on parle du pilote, mais on parle aussi, tu sais, des fois, quand on a son premier bébé ou son premier enfant, ou vraiment quand on nous donne un petit bébé, on ne se verrait pas à lui donner, manger, boire n'importe quoi, ou pas le laisser dormir quand c'est l'heure de sa sieste. Et on prend vraiment soin de ces petites boules d'amour qu'on a. Oui, et puis d'écouter de comment ils fonctionnent. Même si on en a plusieurs, en se disant, OK, on a eu un dormeur avant. Voilà, celui-là a besoin de dormir plus l'après-midi, moins le matin. Enfin, on va aller en fonction. Enfin, si vous connaissez des jeunes mamans autour de vous, si vous êtes une jeune maman, toute notre vie va être en fonction de ce petit bébé qui vient au monde pour lui donner le meilleur. Puis après, on oublie ça. On oublie aussi, comme le disait Valérie, qu'on est le pilote de notre propre avion, si on veut faire cette parallèle. Oui. Et qu'on a le droit de décider de choisir ce qui est le mieux pour nous, ce qui n'est pas forcément le mieux pour son mari, pour ses enfants. On peut partager, on peut expliquer aux gens, mais on peut aussi se faire confiance. Et qu'on doit revenir à cette écoute-là, c'est hyper important. Se connaître, ça c'est super important pour nous. Donc soyez le meilleur pilote de votre vie. Alors, prenez le temps de votre checklist, mais la vôtre. Et puis on vous souhaite le meilleur. Une belle journée. Bye bye. Bye bye.